The back end. Salut, salut! Je pense que ça fonctionne, que mon son est allumé. Ça en a l'air, en tout cas. Je vais baisser un tout petit peu ma musique qui m'empêche un peu d'entendre. Voilà, nickel. Et bah, bienvenue, c'est un petit live complètement improvisé, qui n'était pas du tout sur le programme des jeux de la semaine, ni sur les programmes de discussion de la semaine, mais bon. Voilà, des fois j'ai envie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté tout simplement des programmes de
la chaîne Twitch, de ce que je voulais en faire, de ce que je vais y développer. Et puis on est lundi, donc lundi, début de semaine, c'est le bon moment pour faire un petit point en général. Et donc nous sommes le 10 mai, et puis voilà, j'avais envie de faire un petit point avec les gens qui suivent un petit peu tout ce qui se passe ici, parce que c'est bien cool. Alors j'ai plusieurs trucs à dire aujourd'hui, et on va faire déjà une espèce de petit sommaire. Comme ça, si vous regardez la vidéo en rediff, bah, vous saurez à peu près... Hop, je vais m'installer mieux. Quels sont les sujets qu'il y a dedans, et puis peut-être aller directement aux parties qui vous intéressent. Je vais parler rapidement des personnes qui sont abonnées, et puis de la chaîne YouTube. Je vais parler du coup du calendrier des programmes de jeu qu'il va y avoir sur la chaîne, de ce qui va être, fait dans les mois qui arrivent, plus que semaines, parce que c'est des choses qui prennent du temps. On fait du jeu de rôle en ligne, parfois les campagnes s'étirent sur du long terme et tout ça. Donc là je vous ai mis un fond, il n'est pas très bien détouré hein, comme vous voyez, mais c'est juste parce que du coup ça évite de montrer tout simplement mon intérieur, et c'est plus zen pour moi, et j'ai pas à penser à ce qui est derrière, à ce qui se voit, tout simplement. Donc faites pas attention, on voit un peu ma chaise et tout, mais bon, hein, on est là un peu à l'arrache, donc ça ira. Donc voilà, on va parler du calendrier, des chamboulements qu'il y a dedans, des changements éventuels que vous avez pu apercevoir. De la suite, on va parler grands projets. Vous allez voir. Les choses vraiment, on va dire, plus spécifiques qui sont liées à ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai vraiment envie de développer ici. Et vous allez voir que j'ai pas mal d'idées et que ça peut être lié à vous, en fait, aussi. Et que vous pouvez, si ça vous intéresse en tout cas, vous pouvez être lié à ces projets et y participer. Et ça serait super, je pense, d'ailleurs. Donc, on va voir si il y a des gens qui sont intéressés. Donc, grand projet. Et puis voilà. Donc, voilà le sommaire. C'est un petit mot sur la chaîne, la chaîne YouTube, le calendrier, le programme, les grands projets. Alors, on va commencer par la chaîne en elle-même. Donc, du coup, je suis ravie de vous recevoir ici maintenant assez fréquemment. Il y a des petites stats hein, sur le Twitch, donc je les regarde pas en détail parce que je suis pas une pro de ça. Mais on va dire que la progression est cool, elle est plutôt continuelle. Et j'aimerais remercier du coup du fond du cœur les 47 personnes qui me suivent. J'ai commencé à zéro avec pas de commu du tout. Je suis connue de nulle part, j'avais même pas de chaîne YouTube avant d'arriver ici. Je suis personne, en fait c'est uniquement les joueurs avec qui je joue régulièrement qui jouent le jeu, en fait, de partager ce que je fais dans leur cercle. J'imagine que c'est parce qu'ils aiment bien jouer avec moi, sinon ils le feraient pas. En tout cas j'espère, mais oui, normalement oui. Et du coup c'est vraiment grâce à la vraie communauté de personnes qui nous entourent directement et moins directement qu'on a atteint 47 personnes qui nous suivent. Donc c'est top. Et dans les 47 personnes qui me suivent, j'en ai en moyenne entre 25 et 30 qui suivent les longues campagnes, et donc qui regardent même en replay les longues campagnes. Donc franchement c'est super cool de savoir qu'il y a entre 25 et 30 personnes qui s'intéressent aux aventures que vivent mes joueurs, même sur le long terme. Donc ça c'est pour les stats générales. Évidemment, les one-shots iconiques font plus de vues que les campagnes, mais ça c'est logique puisque c'est plus facile à suivre. Vous avez à vous concentrer sur une fois une session, parfois deux ou trois quand on le découpe pour les besoins, on va dire, d'étirer un peu la tartine, mais c'est plus facile à suivre. Et on a remarqué des vues très importantes donc sur les jeux à one shot, facile à suivre, avec une grosse préférence pour complotiste qui était bien arrivé en tête, une grosse préférence de votre part pour Cthulhu qui avait enregistré des bons scores sur le farce en lumière,
Le one-shot de Cult était bien placé, et puis récemment, le one-shot sur Chill, qui finalement est en plusieurs parties, a aussi enregistré des bons scores de vues, d'autant que j'étais joueuse, et je pense qu'il y en a que ça fait un peu marrer de venir voir le MJ jouer. Donc il y a eu une transposition. Donc ça c'est pour les stats et c'est pour la chaîne. Ensuite, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous êtes 47 ici, mais vous êtes beaucoup moins sur YouTube à être abonné. Vous êtes 22, donc la moitié, à peu près, grosso modo. Ce que j'ai envie de vous dire, du coup, c'est bah venez vous abonner sur la chaîne YouTube. Parce que moi, ça me fait hyper plaisir de vous avoir des deux côtés. Et surtout, ça me rassure énormément de savoir que si jamais il y a des vidéos qui ne sont plus disponibles ici, la communauté peut voir à l'intégrale du côté YouTube, ne pas perdre du tout de morceaux de campagne, ne pas perdre d'épisodes dans les choses qui sont découpées en plusieurs morceaux. Moi, ça me rassure beaucoup parce que vous savez, ça va très vite. Ça va très vite en fait, d'avoir des soucis, il suffit d'une musique. Pourtant, j'ai été hyper vigilante, j'ai demandé les droits à Cryo Chamber, j'ai demandé les droits à Graham Plowman. Sinon, je n'utilise que des musiques libres de droit en dehors de ces gens. Et eux, j'ai leur accord complet. Je fais très attention aux images aussi que je diffuse, puisque une fois, il y avait un truc où il y avait un petit peu une personne qui était, on va dire, un petit peu dénudée, c'était pas énorme. Mais ça suffit à ce que j'ai des soucis. Donc, pensez vraiment à faire le double abonnement. Vous êtes 47 ici. La logique voudrait que vous soyez à peu près le même nombre sur YouTube. Et vraiment, je vous le conseille. Parce que si vous aimez ce qu'on fait ici, il y a peut-être probablement même un jour où il y aura des exclus YouTube. Mais je vais en parler dans un instant. Parce que j'ai des grands projets. Donc du coup, bah voilà, essayez de cliquer sur l'abonnement dans YouTube, je compte sur vous. C'est tout simple, c'est ce que vous voyez là affiché du coup sur donc c'est là, ici sur l'écran. Donc ma chaîne s'appelle Linou Major 0 JDR et si vous en avez besoin, j'ai mis le lien dans le chat qui défile là en ce moment, donc vous allez le retrouver très facilement. Voilà. Je crois qu'il est dans ma bio aussi, hein, de toute façon, enfin, là je l'ai pas sous les yeux. Attendez, je vais aller vérifier, mais je crois qu'il est dans ma bio aussi, de toute façon. Ce serait censé. Alors, attendez, Discord, Instagram, YouTube, tac, on clique et ouais. Il est bien dans ma bio également. Donc, n'hésitez pas, vous avez juste à aller dans la bio, cliquer sur YouTube et paf, ça vous amène dessus. Pour continuer à propos de la chaîne, je voulais aussi vous dire que si vous avez envie de discuter en dehors des lives et de me retrouver, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez envoyer des MP depuis ici, vous pouvez envoyer des MP depuis YouTube. Je me fais toujours un plaisir, un vrai plaisir de répondre. D'ailleurs, il y a quelques personnes avec qui j'ai la chance d'avoir développé bah, des relations plutôt sympas, du coup, grâce à tout ça. Vous pouvez, normalement mon lien est à jour, je l'avais vérifié il n'y a pas longtemps, mais vous pouvez m'ajouter via Discord, c'est dans ma bio aussi. Vous avez mon Instagram aussi, enfin bref, tout ce qu'il faut pour garder le contact. Et du coup, bah voilà, avec grand plaisir quoi. Avec grand plaisir, faites-le parce que bah du coup, si vous êtes passionné de JDR, on pourrait peut-être même jouer ensemble, puisque le but c'est aussi ça. Mais ça je vais y venir dans un instant, mais. Le but, c'est aussi de d'élargir les tables, d'élargir les rencontres et de jouer avec d'autres personnes. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la chaîne, les remerciements. Donc merci aux 47 personnes qui sont là. Venez aussi sur YouTube et continuez à suivre nos aventures. Et il va y avoir plein de nouveautés dans lesquelles vous avez une place qui pourrait être cool. Donc voilà. Ensuite, on va parler maintenant. On est dans le deuxième item, on va parler calendrier. Et du coup, le calendrier, il a été un petit peu chamboulé, là, particulièrement la semaine dernière, mais aussi un petit peu cette semaine. Et oui, car nous sommes, mais c'est bien, déconfinés. Et donc, nos activités professionnelles, et de manière générale, pas que professionnelles, mais toutes les choses qu'on doit faire, reprennent un petit peu.
Donc pour ma part, j'ai aussi quelques nouvelles obligations qui ont repris. J'ai des joueurs pour qui c'est le travail qui a repris et qui, en tout cas, s'il ne s'était pas arrêté, était en virtuel ou avait un petit peu diminué. Et maintenant, il a plus de virtuel et donc il a repris un niveau d'activité plus fort. Donc la semaine dernière, nous n'avons pas pu jouer aux Contrées du Rêve pour cause professionnelle. Cette semaine, nous pourrons jouer aux Contrées du Rêve et nous jouerons bien jeudi comme c'est prévu. Donc jeudi, vous aurez un nouvel épisode des Contrées du Rêve qui arrive normalement vers la fin. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a eu rétropédalage arrière, on va dire, et prise de décision et réflexion un peu longue. Donc ça n'avance pas. Pas aussi vite que j'aurais imaginé, mais en tout cas, on est toujours sur la pente, on va dire, de fin. Cette semaine, du coup, demain, mardi, nous allons terminer, je pense terminer, en tout cas, j'espère terminer Chill, le fameux one shot que finalement on a fait en deux sessions. À voir si c'est terminé demain ou pas, mais en tout cas, ça aurait dû, je pense. On verra s'il y a une troisième session. En tout cas, difficile de trouver du temps pour tout faire, mais on va essayer. Et donc ça, c'est pour ce qui est en cours. Pour les nouveaux grands projets, nous allons commencer une campagne Pathfinder. J'en avais déjà parlé. Les créations de personnages sont en cours. La table s'est mise d'accord sur qui veut jouer quoi. Nous avons commencé à créer les personnages. Ce n'est pas terminé. On prend notre temps. C'est une campagne imposante qui dure longtemps, donc on a vraiment envie d'avoir des personnes très motivées par leur perso, où elles ont tout choisi, où c'est vraiment très personnalisé, donc on prend vraiment le temps d'écouter les gens là et de faire quelque chose de très précis en termes de création de perso. Voilà, mais ça ne devrait pas tarder à commencer, je pense que ça devrait commencer vers le mois de juin et si on est bien, disons qu'au moment où finira quasiment les contrées, commencera Pathfinder, c'est ce que moi je voulais. On va voir si ça se goupille comme ça parce qu'il y a un petit peu de retard dans Pathfinder. Mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai en cours. Donc vous voyez, on a quelques one-shots par-ci par-là, comme d'habitude. Pas autant que j'aimerais, puisque après il faut trouver du temps. Et on a donc une campagne Contrée du Rêve qui se termine, une campagne Pathfinder qui va commencer. Je suis invitée aussi, je suis invitée régulièrement maintenant sur quelques jeux. Sur quelques jeux et du coup on m'a proposé une mini-campagne sur Simbarum, donc j'attends qu'elle démarre, on va voir quand est-ce qu'elle a lieu du coup et sur quel créneau, parce qu'après c'est toujours le souci du temps, même si on adore jouer. Donc ça voilà, c'est dans les tuyaux, on verra comment ça se goupille. Et puis sinon, ma foi, c'est à peu près tout pour le calendrier. Donc on a toujours des contrées, on a toujours quelques one-shots, et on a toujours ce Pathfinder qui se profile. Alors je sais pas si ça vous plaira, car comme je l'ai déjà dit, je suis narrativiste plutôt, et les règles, ça n'est pas ce qui m'intéresse très fort dans les jeux. J'aime vivre des émotions, faire vivre des émotions, interpréter les personnages et les voir interprétés par les autres correctement. Je suis moi intéressée par, on va dire, l'optimisation de fiches, etc. Ce qui est quand même très prégnant dans Pathfinder et moi je vais le mettre un peu de côté dans ma campagne. J'ai envie de la jouer un peu narratif, donc vous verrez si ça vous convient ou pas. Vous verrez qu'on a aussi, on fera aussi des raccourcis sur certaines règles qu'on trouvait trop tarabiscotées façon Pathfinder, que j'ai pas honte de dire, je simplifierai si j'en ai besoin au profit de la narration. Donc je sais pas si ça vous plaira, mais on la diffusera en live également et elle va durer longtemps. Puisque c'est la campagne Kingmaker et on fera le premier livre pour l'instant, le premier tome qui s'appelle Terre volée, avec le but d'arriver à la fin de Terre volée, de commencer tout juste le début du livre 2. Pour qu'ils aient le plaisir, les joueurs, de quand même développer tout de suite la politique et la création de royaumes. Et ensuite, on fera une pause et on verra quand est-ce que cette campagne sera continuée. Parce que vous imaginez bien, ça dure très longtemps. Donc. Déjà, si on arrive à faire le truc sympa d'exploration et de création de royaume, on verra jusqu'où après on va, mais le but c'est ça. Et donc, troisième partie, ça va être la partie grand projet. Donc là, grand projet, attention, accrochez-vous.
parce que ça vous concerne, vous qui êtes 47 ici à me regarder, peut-être un peu plus d'ici quelques jours, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est super cool. Parce que tout ça c'est cool, voilà, on fait du JDR virtuel avec des gens qui ne se montrent pas à la caméra, qui sont d'accord pour être entendus, mais qui ne souhaitent pas forcément être vus, ce qui est absolument pas un problème. Je suis pas en train de dire que c'est un problème, c'est un choix, il n'y a aucun souci là-dessus. Et moi ça me convient très bien et on va continuer à faire ça. Alors sachant que vous, vous le voyez pas, mais nous on se voit entre nous, hein. Je coupe en fait l'image des gens pour que sur Twitch elle soit pas visible, hein, mais nous on utilise la caméra maintenant pour jouer, ce qui amène un gros plus. Au début il y avait sur mon channel Discord que du vocal, un petit peu par timidité des gens. En fait ils ont tous adoré quand on est passé. Bon, après il y a toujours les irréductibles gaulois, mais franchement l'immense majorité a 10 000 fois plus apprécié jouer aussi avec la vidéo entre nous, même si elle n'est pas diffusée, parce qu'on se voit, donc forcément le retour est beaucoup plus fort. Et donc ça nous on le voit, mais vous vous le voyez pas. Et donc j'ai un grand projet par rapport à ça qui va être plutôt lié, je pense, à la rentrée, voire un peu plus tard que la rentrée, au septembre, octobre, on va voir comment ça se goupille. J'aimerais lancer des castings de joueurs. Et j'ai même plus envie de dire joueur, là j'ai envie de dire interprète, comédien, parce que j'attends plus des comédiens que des joueurs en général sur mes jeux. Difficile à trouver, mais après voilà, chacun ses goûts, comme je vous ai dit, moi étant plus narrative, je préfère les gens qui sont plus dans la capacité d'interpréter, de jouer la comédie que dans le gaming, quoi. C'est moins ça qui m'intéresse. Et ce que j'aimerais, si j'ai cette chance et que... et que c'est comme ça que ça se passe, après on verra. J'aimerais en fait lancer un petit casting pour faire maintenant aussi des sessions visibles. C'est-à-dire où vous voyez la vidéo des participants. Donc choisir évidemment des gens qui sont d'accord, qui sont hyper motivés, et surtout qui savent bien interpréter un perso. Donc quand je parle de casting, je parle vraiment de sélectionner les gens. Là pour le coup je dirais pas oui à tout le monde, parce que je veux qu'on les voit, je veux qu'il y ait leur mimique de visage, je veux qu'il y ait leur interprétation, ben, même jusque dans leurs expressions, leur voix, et même pourquoi pas du coup, puisqu'on se verra, une petite pièce de costume. Alors je vous dis pas de se déguiser complètement, mais vous voyez, quand vous êtes en train de faire un Cthulhu à Névin, et ben venir avec le petit béret ou le petit gilet, ça peut être pas mal et tout. Donc ça c'est des choses que j'aimerais beaucoup développer. Donc si vous êtes intéressé, que vous nous suivez ici, que vous êtes un de mes joueurs habituels et que vous voyez cette vidéo et que vous dites bah attends, mais moi j'étais d'accord depuis le début pour être filmé, je sais qu'il y en a, hein. Donc revenez vers moi pour me le redire, même si on en parlera en privé aussi dans notre textuel et notre channel dédié et tout. Mais si vous n'avez pas encore joué avec moi mais que ça vous démange, et que vous pensez que vous pourriez être ce comédien de jeu de rôle là, à vous montrer à la caméra, à vous faire voir et puis à vraiment essayer d'interpréter votre perso, etc. Franchement, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravie, parce que j'ai envie de monter ce projet. Et du coup, je parlais de YouTube qui serait une exclue, et qu'on va abandonner au fur et à mesure Twitch, etc. C'est pas impossible que donc ce projet-là soit filmé, mais pas en direct, filmé, on va dire... pendant qu'on le joue, quoi, on verra, et peut-être juste diffusé sur YouTube. Alors je pense pas qu'il sera monté, tout simplement parce que j'en ai pas vraiment les capacités, et qu'une partie ça dure environ 4 heures avec moi, j'essaye de faire des parties de 4 heures en général, je préfère plus, en IRL en tout cas, mais bon après la vie, le travail et tout, donc on essaye de faire 4 heures pour pas se coucher trop tard. J'ai pas envie de monter des vidéos de 4 heures en fait, tout simplement parce que c'est pas ma compétence première et que c'est très long et très compliqué, mais peut-être qu'elles seront quand même filmées de leur côté, avec l'overlay qui va bien, qu'elles soient jolies, qu'on voit bien les visages, etc., bien répartis. Du coup moins d'aide de jeu visible, moins de changement de décor, de plan et d'image pour ceux qui nous regardaient déjà ici, parce que vous avez vu que j'aime bien utiliser Roll20 pour mes joueurs et qu'ils ont beaucoup de choses qui alimentent leur jeu. Là forcément vous le verrez moins, mais vous verrez les participants,
Mon inspiration, c'est vraiment de m'inspirer de ce qui se fait chez Critical Role, chez bon, aux États-Unis, LA by Night, pour ceux qu'on voit en live play jouer, pour la France, Roll and Play, où on voit jouer les personnes, et pour Grimoire et Tentacules, que je trouve vraiment stylé, Tales of P, vraiment stylé aussi. Et puis Sombre Machination, vraiment cool aussi. Où là, il y a un gros travail de montage qui est juste magnifique en plus, où ils font un travail super qualitatif. J'avoue que j'ai été bluffée de ce travail parce que quand on les suit sur Twitch, ça rigole beaucoup. Le timing, il est difficile à suivre. On tombe pas forcément dans les parties. Donc finalement, j'étais pas tombée au bon moment. Et alors, quand j'ai vu Sombre Machination sur YouTube, bah, j'ai pris une grosse claque parce que c'est génial. Donc ça a été, j'ai typé direct et puis j'ai fait ma fangirl direct. Et donc vous voyez, j'ai pas la prétention d'être quelqu'un qui a ses compétences parce que je sais pas monter. Donc ce sera pas comme ça. Mais par contre, voilà, quelque chose un petit peu à la Grimoire et Tentacule, vous voyez, où vous avez comme ça vos visages qui sont apparents. La musique qui va bien. Les joueurs finalement de leur côté, ils auront les documents de jeu, même si peut-être les viewers, en tout cas, eux ne verront pas tout, mais les viewers verraient les visages. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire en fait depuis un bon moment. Mais vous comprenez bien que ça se fait avec des gens qui se sentent à l'aise en cam, qui ont le bon matos pour faire quelque chose de propre, qu'on les voit bien, qu'ils soient bien éclairés, donc qu'ils aient envie de faire cet effort, qu'ils aient envie de faire l'effort du costume, qu'ils aient envie de faire l'effort du jeu. En fait, pour moi, là, on est plus sûr. Le MJ est un entertainer et il vous donne quelque chose et vous vous divertissez avec en jeu, mais là on est plus sur un projet commun où les personnes qui participent sont les acteurs de ce projet commun et donc ils ont aussi envie de donner le maximum et de faire au mieux quoi. Et du coup bah, c'est un petit peu, on va dire, cette dream team que j'aimerais un petit peu constituer dans les mois qui arrivent pour commencer quelque chose comme ça vers la rentrée. Et avec quel jeu, me diriez-vous? Et donc, sans surprise pour les gens qui me connaissent, bah, ce que je préfère, c'est les jeux narratifs et les jeux dark, où il y a beaucoup d'investigation, de l'horreur, de l'occulte, et de manière générale des émotions fortes, des difficultés, et où les héros sont un peu cassés, sont pas forcément tout puissants. Alors pas forcément des victimes, mais pas tout puissants. Donc vous voyez. On va dire que je laisse toujours l'occasion aux gens quand même de vivre des choses avec leur perso sans être des grosses victimes, hein, mais si vous voulez du jeu épique, c'est pas par ici qu'il faut venir. Parce que c'est pas ça qu'on fait. Donc voilà, alors quel jeu? Bah du coup tous ceux qui peuvent répondre à ça comme description. Puisque d'abord je pense qu'il y aura des one-shot tests pour voir si on s'en sort bien, pour voir si les overlays je les gère, parce que j'ai commencé, hein, vous imaginez. À faire des tests bien sympas où on peut diffuser en cam les autres visages des autres participants et c'est assez joli. J'ai fait pas mal de tests de décor, j'ai fait pas mal de tests de son. Pour l'instant, c'est plutôt cohérent. Mais j'ai pas encore fait, hein, voilà, j'ai pas encore fait tout ce que je souhaitais. Il faut voir quoi, il faut faire des tests et puis il faut voir si les gens qui jouent, ça leur plaît. Faut voir si le MJ, moi, ça me plaît comme exercice. Donc au début, sur des one-shots qui correspondent à ces jeux-là. Donc du jeu narratif sombre d'horreur et occulte. Donc on fera des Cthulhu, on fera des cultes, pourquoi pas des sombres avec son système là, hyper hyper facile, paf paf, ça prend 5 minutes. Pourquoi pas du Delta Green, pourquoi pas. Des créations perso, après tout. Parce que j'en ai, et c'est vrai que je les ai pas encore fait jouer. Pourquoi pas des jeux sans système? Puisqu'après tout, vous avez pas encore vu ça sur ma chaîne, alors que moi, c'est une des choses que je préfère. Mais après, il faut trouver les joueurs qui sont d'accord. Voyez, donc voilà. Donc je cherche un peu ce public. Si ça vous convient, il faut pas hésiter à le dire, vous seriez éventuellement dans la machine. Et voilà. Donc sinon, bah, c'est à peu près tout. J'avais envie de vous donner des nouvelles. On va se voir du coup demain pour chill. Cool. Jeudi pour les contrées du rêve. Et puis ma foi, vous aurez ensuite une pause puisque je partirai et je serai pas du tout dispo entre le 20 mai et le
entre le 19 mai et le 26 mai, exactement. Oui, c'est ça. Raison à moitié d'occupation, puisque déconfinement, et à moitié familiale, qui fait qu'on ne sera pas dispo. On fera une reprise, du coup, je crois que ce sera le 27, puisque c'est un jeudi. Voilà, donc la reprise, on la fera sûrement le 27 avec un épisode des Contrées, on verra. Mais du coup, voilà, c'était les news. Donc, merci encore aux 47 qui sont ici. Venez sur YouTube. Éventuellement, dites-le si vous voulez jouer avec moi et que vous correspondez à mon style de jeu et que vous êtes ce genre de joueur qui aime interpréter à donf et être un petit peu comédien avec son perso. Venez suivre nos aventures aussi sur YouTube pour rien rater si jamais il y a un problème ici. Mille merci. Calendrier, on est toujours sur quelques one-shots un petit peu à l'arrache sans date du contrée du rêve quand on peut et que le calendrier nous le permet le jeudi, mais des fois, bon, on peut pas et ça change. Pathfinder qui arrive et les grands projets, les grands grands projets dont je viens de vous parler plus pour la rentrée, où là, les gars, franchement, mais tous ceux qui viennent ici, qui se reconnaissent, peuvent, dans ce que je dis, peuvent essayer ce cast. Parce que je serais contente d'avoir, allez, on va dire 4 joueurs, quoi. Ce serait cool. 4 joueurs visuels, 4 joueurs vidéo pour faire ce grand projet. Et si après les one shot, on s'est éclaté, moi je dis qu'il faut faire une campagne sur ce modèle aussi, quoi. Donc voilà. Écoutez, j'ai parlé une demi-heure, c'est bien suffisant pour un impromptu. Du coup, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Et puis, on se retrouve demain sur Chill et jeudi sur les Contrées avec les joueurs habituels qui sont bien cool, qui sont mes partenaires de jeu, qui me mangent à toutes les sauces. Demain, c'est le MJ qui va pouvoir se faire plaisir avec moi en jeu pour m'embêter. Jeudi, c'est moi qui embêtera les joueurs, mais en tout cas, on se retrouve bientôt. Et puis, les passionnés de JDR, franchement, go quoi. N'hésitez pas à nous contacter, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous avez des petits trucs à dire aux joueurs, genre des félicitations sur leur jeu et tout, n'hésitez pas aussi, parce que quand je leur fais des petits retours sur les bons commentaires que j'ai, ils sont super contents. Donc, pensez à eux. Et puis voilà, des gros bisous. Ciao, ciao.